الحمد لله العفو الغفور، الحمد لله الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه من قبل أن يخلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب، يغفر لمن أناب ويجبر المكسور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جعل الله عز وجل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات ما ترى فيها من تفاوت ولا فطور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، رسول البشرية إمام البرية، إذا تكلم وعى سامعوه، إذا عمل قلده تابعوه، فهو الرحمة المهداة وهو النعمة المجداة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. نتواصل معاشر الإخوة بتقوى الله عز وجل، خافوا الله وراقبوه، أطيعوه ولا تعصوه. اعلموا معاشر المسلمين أننا لكأس المنية شاربون، ولا قبورنا داخلون، وأمام الله عز وجل واقفون، ثم إننا على أعمالنا لمساءلون. أسأل الله عز وجل الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs, si je veux résumer la définition d'un homme ou d'un être dans l'univers, c'est quelqu'un bouillonnant qui vit dans la société. Lakin l'imam al-Hassan al-Basri, ce grand savant de l'islam, il va nous définir c'est quoi un être. L'être, c'est un ensemble de jours, de mois et d'années. قال إذا انقضى يومه انقضى بعضه.
si l'un un jour passe au part de notre vie, une partie de nous-mêmes part vers Allah Azza wa Jal. Pour cela, Allah Azza wa Jal, il nous a défini l'être en disant وَقَدْ حَلَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقْسَمَ بِالْعَصَرِ قَالَ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Par le temps, l'homme certainement il est dans une perdition totale. Allah Azza wa Jalla ja'ala al-insan majmou'atun min al-ayyam. Ya ibn Adam, on peut vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tellement l'espace de le temps il est très limité et notre fin elle peut arriver n'importe quel moment. Ya ibn Adam, innama anta ayyam fa idha dhahaba ba'duka dhahaba yawmuk. As'alullah Azza wa Jalla an yubarik lana fi ayyamina. Nous sommes aujourd'hui dans le dernier vendredi du Ramadan, le cinquième jour du vendredi, le cinquième vendredi du mois. Certainement, c'est un rappel pour moi et pour mes frères et sœurs. Nous sommes certainement vers ce Ramadan qui va partir. Al-Bouka, laysa ala Ramadan. Le Ramadan, il va revenir encore d'autres années. L'année prochaine, bihaoulillah, dans un 14 avril ou 15 avril, on aura bihaoulillah et azzawajal le Ramadan. Mais le plus important, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va nous faire rester en vie? On va rester en vie jusqu'à qu'on arrivera à vivre la douceur et la grandeur d'un autre moins béni d'Allah Azza wa Jal qui est le Ramadan. Allahumma aj'alna fihi min al-maqbulin wa min al-nari ma'touqin. Allahumma aj'alna min al-dina khad shamilatuhum rahmatuk wa ammatuhum maghfiratuk wa hatum min al-idkhi min al-niran. Chers frères et sœurs, dinullahi Azza wa Jal arkanun wa wajibat. سنن ومستحبات أخلاق وتحسينيات. C'est le musulman qui lit, qui est approfondi dans la théologie musulmane, qui essaie de vivre l'islam comme pratique dans sa vie quotidienne, il doit avoir la conviction que l'islam c'est un ensemble de piliers et d'obligations. Les piliers de l'islam, نحفظ هذا الحديث العظيم بني الإسلام على خمس حديث ابن عمر وحديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري. L'islam il est bâti sur cinq piliers importants. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Dans Sahih al-Bukhari, est arrivé cet ordre qui est arrivé dans ce sens-là. Si on lit le hadith, on va découvrir que dans les piliers de l'islam, il y a trois piliers qui sont temporaires. Al-Muslimu yasoumu Ramadan, on jeûne le Ramadan 29 à 30 jours. Al-Muslimu yahujju bayt Allah al-Haram, une fois dans sa vie ou quelques fois minimes dans sa vie. Al-Muslimu yukhriju zakata malihi dans un temps précis dans l'année. Ça veut dire que ce sont des adorations qui sont liées à un temps précis dans notre vie quotidienne. Amma al-shahada, depuis ta naissance, on a légiféré, le prophète nous a conseillé, nous a demandé, dès qu'on prend le bébé entre nos mains, on doit lui avouer l'attestation de la foi. Nous disons, tu vas enseigner, même le bébé en sortant du ventre de sa maman, tu vas commencer à lui enseigner l'unicité. Cette unicité qu'elle va vivre avec nous jusqu'à le dernier moment de notre vie. Man kanat la kalimatuhu ou akhiru kan kana akhiru kalamihi la ilaha illallah muhammadur rasulullah dakhala al-janna ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ar-rukn al-akhar as-salat. Je pense que par mesure d'équité qu'on a parlé le début du Ramadan sur l'importance du Ramadan, sur le Ramadan c'est le mois du Coran, le mois de la sadaqa, le mois de l'aumône. Mais en même temps, le Ramadan, il nous a certainement fait propulser vers la connaissance et la découverte de cette prière qu'elle est liée à notre vie. La prière, elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas être délaissée, elle ne peut pas être arrêtée, elle ne peut pas être aménagée. La prière, on doit la faire en étant, être en bonne santé, avoir de la possibilité de s'incliner ou pas. On est malade, on la fait assis, on est malade, on peut la faire même endormi. On est malade, on peut la faire même avec nos yeux. On est malade, on pourra faire même notre prière en pensant dans notre lit d'hôpital. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. La colonne, la chose la plus importante, la colonne la plus importante de la religion, c'est la prière. Qu'on ne peut pas du tout imaginer à quel point elle est importante. Et qu'on avait sallam à Mu'ad ibn Jabal. قال يا رسول الله
دلني على عمل يدخلني إلى الجنة. Au prophète, donne-moi une action qu'elle va me ramener vers le paradis. قال يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. Oh Mouad, tu veux pas que je t'en parle sur la tête de la chose et la colonne vertébrale de la chose. قال رأس الأمر الإسلام. Être un musulman وعموده, la colonne vertébrale de tout cela. الصلاة الصلاة الصلاة. أبي در يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي در فيما رويه الإمام أحمد بن حبان الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. Le meilleur des sujets qu'on peut ramener, qu'on peut développer, qu'on peut en parler, c'est la prière. Il y en a qui font énormément de prières. Minna man yastayqidu min yawmi. Il fait la prière de Fajr. Il va yadkur Allah azza wa jal. Yuktiru min salawati nawafil. Thumma yanam. Thumma yasha. Thumma yusalli. Thumma yusalli dhuhr. Thumma yusalli nawafil ba'da dhuhr. Il y en a toute leur vie, la prière, elle a pris une dimension importante dans leur vie. Wa hunaka man istaqal. Il y en a qui font la prière juste le strict minimum. Al-mu'addin yu'addin, tajiduhu la ya'ti ila salat illa fi akhir al-waqt. Tu vois que celui-là, il vient le dernier parmi les derniers à la prière. Ou sinon chez lui, il va laisser le temps passer, juste le moment le plus strict dans lequel il va accomplir sa prière sans faire d'autres prières, sans autre prière sans obligatoire et d'autres prières qui vont l'élever auprès d'Allah Azza wa Jal. Le confinement nous a fait vivre ou faire mieux nos prières. Le confinement nous a fait découvrir la prière. Les choses les plus importantes, on a commencé à les faire, à les pratiquer. On a comme un la yusalli fa asbaha yusalli. Beaucoup de personnes, j'en connais autour de moi au moins 2-3 que j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux. Kanu la yusallun, ils faisaient jamais leur prière. Ils se sont jamais prosternés auprès d'Allah Azza wa Jalla. فَأَصْبَحُوا يُصَلُّونَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَهُنَاكَ مَنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرُ مُنْضَبِطَةً. Il y en a qui avaient la prière qu'elle n'était pas du tout ordonnée, qu'elle n'était pas du tout à la hauteur. فَأَصْبَحَتْ كَامِلَةُ الْأَرْكَانِ وَالْحَرَكَةِ. La prière, elle était juste des gestes, il monte, il descend, il ne savait pas ce qu'il faire. Allah Azza wa Jalla lui a ouvert l'esprit, il a commencé à lire, à écouter, à chercher, il a trouvé comment faire convenablement la prière. Il y en a qui ne faisaient jamais sa prière dans le temps. Dhuhri, il va le faire avec l'asr. Al-Maghrib, pour un match, pour un feuilleton, pour un café, pour un repas, il ne va pas faire le Maghrib jusqu'à tardivement dans la nuit avec l'Isha. وهناك من كانت الصلاة آخر اهتماماته. Il y en a qui avaient la prière, c'était pas une priorité dans sa vie. C'était la dernière chose à laquelle il doit ou à laquelle il doit penser avant d'y aller directement la faire. لهذا, ce confinement, il nous a appris. Parmi les récords d'Allah Azza wa Jal, dans le confinement, Allah Azza wa Jal nous a donné l'occasion de faire le Ramadan. Et le Ramadan et le confinement, on les mutuelle ensemble, on va les mutualiser ensemble, certainement ils nous ont propulsés vers la découverte de cette belle prière. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا من المصلين المحافظين على صلواتهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شيخ الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك ومن حديث عبادة بن الصامت. رمضان dans 3-2 jours, 1 ou 2 jours, il sera plus là. Mais la chose qu'elle va rester, c'est nos prières qu'on va les faire. Je m'adresse à celui ou celle-ci, ou celui ou celle qui est bon, qui sont en train de m'écouter, de faire très attention à cette prière parce qu'on va rentrer doucement. Le déconfinement, il est en train de prendre son ampleur dans la société. Vous voyez dans les trains, dans les métros, dans les rues, dans les autoroutes. Aujourd'hui, les gens, ils ont commencé à reprendre leur habitude. Et certainement, la spirale de la vie va nous ramener vers l'oubli total de cette obligation importante qu'elle est un pilier entier de l'islam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك إذا أحسن الرجل صلاته ف
فأكثر فأتم ركوعها وسجودها. Chila, il fit convenablement sa prière, en faisant convenablement le recours et le sujoud de cette prière. قالت الصلاة له. La prière, elle dit, حفظك الله كما حفظتني. T'as pris le soin de moi, qu'Allah Azza wa Jal prend soin de toi. وأما إذا ضيع ركوعها وسجودها. قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. Si celui-là fait la prière d'une façon machinale, il rentre à la mosquée, il se prosterne, il s'incline, mais il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Chez lui, il fait la prière d'une façon très brutale, excusez-moi pour le terme, et après cela, la prière, qu'est-ce qu'il va dire ? Tu m'as délaissé, qu'Allah Azza wa Jal te délaisse. Il dit le verset de Hadithi, Ubad ibn Samit, min Hadithi Abi Daoud al-Tayalisi. Et après cela, elle sera mise dans un vêtement décousu complètement. Et Allah Azza wa Jal va renvoyer cette prière sur le visage. Rajulun Shaykhun dakhala al-masjid. Un homme, il est rentré à la mosquée. Bada'a yusalli. Le frère Samir est là en train de regarder un homme en train de prier. Quand il s'est arrêté, il a fini sa prière, qu'on le sallama, Ya Rajul, qum fasalli, ô toi, lève-toi et refais la prière. Il s'est levé une fois. Thumma al-Qasim le dit, lève-toi et refais ta prière. Il s'est levé une troisième fois, lève-toi et fais ta prière. Qala ya Rasulallah, ô prophète, je ne sais pas comment faire la prière. Aide-moi. Fais-moi voir comment faire la prière. Hassan il s'est levé. Lui apprit comment faire la prière convenablement dans le temps. Inna rajula la yansarifu min salati wa ma tuktabu lahu illa 10 salatihi wa 9ha wa 8ha wa 7ha wa 6ha wa 5ha wa 4ha wa 3ha wa nisfuha. Aswa'u an-nas alladhi yasriqu min salati. Le voleur le plus répondait, c'est celui qui va chercher à minimiser les gestes de sa prière, à de ne pas faire sa prière convenablement. Parmi les miracles du Coran, la salat, dhukirat fil Coran, 85 fois. On fait 17 rak'a par jour, ça veut dire les 5 prières de la journée. On fait 5 prières par jour. 5 fois 17, 85 fois. Allah Azza wa Jal ne parle sur la prière 85 fois dans le Coran. Je parle sur cette obligation importante pour qu'il nous fait savoir, min hadith Abi Hurayra, inna awwala ma yuhasabu alayhi al-mar. Qu'on s'imagine dans un cercueil, on nous a ramené à la mosquée, on a fait la prière sur nous, on nous a enterrés, on nous a fait du doua, et après cela, on est parti. Je suis seul dans ma tombe, dans ma solitude. Awwala ma yuhasabu alayhi al-mar salata. La première chose qu'elle va arriver auprès de toi, qu'Allah va te demander le compte rendu de ta prière. فَإِذَا صَلُحَتْ صَلَاتُهُ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ. Si ta prière elle est bonne, toutes tes actions elles seront bonnes après. وَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. Toutes les actions après elles ne seront plus à la hauteur. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في الجماعة. Beaucoup de nous se demandent quand est-ce qu'on va rentrer dans les mosquées de nouveau. Il y a une ferveur, ça il n'y a pas de doute. Je me retrouve avec des millions de personnes de musulmans qui ont envie de revenir à les mosquées, célébrer leurs prières. Mais la spirale de la vie va pouvoir avec le temps, ils vont se disperser. C'est pour cela, quand on arrive dans les autres prières de l'année, des fois, le ramadan, la mosquée, elle est pleine, à craquer. Min al-fajr ila al-isha. Le jour de l'Eid, il n'y a plus personne. C'est un constat qu'on le regarde, qu'on le voit tous les ans. Et dans l'année, on va se retrouver avec un peu de visages lumineux qui sont là. Dhuhr, ou l'asr, ou l'maghrib, ou l'isha, ou l'fajr. Et les autres jours, les autres prières de l'année, ou de les autres prières, ils ne sont plus là. On a qu'à manier qui est la masjid kul jumu'ah. Peut-être qu'il y en a qui vient à la mosquée une fois dans la semaine. Il y en a qui ne vient plus à la mosquée.
sous prétexte qu'il n'a pas le temps. Je ne demande pas à quelqu'un de laisser son travail, mais j'en suis sûr, énormément de nous, ils ont la possibilité de venir à la mosquée. Comme ils ont fait l'effort de venir le ramadan, et pourront faire le même effort pour venir au-delà du mois du ramadan. Vous savez, mes chers frères, il connaît le sallam à salat au rajul fi jama'atin tu'adiluhu, tu'adil 27 daraja. La personne, quand elle vient se remettre dans la prière en groupe, Allah lui donne la récompense d'une prière qu'elle a dépassé les 27 daraja, aux 27 degrés. En Syrie, à l'époque, une étude qui a été faite, ça fait une vingtaine d'années, on a ramené un instrument médical qu'on appelle l'instrument Cléran. Cet instrument va pouvoir gérer ou calculer à part l'énergie que l'être humain il peut développer, il peut dégager de son corps en faisant n'importe quel geste. Courir, manger, s'asseoir, parler, etc. Fara'ou anna taqat al-insan, l'énergie de l'un de nous, elle va se multiplier par 27 fois, pas 25, pas 26, pas 29, pas 30, 27 fois, quand l'un de nous se met convenablement dans la prière, en la priant convenablement, on fait ça en recours au sujoud wa ghayriha. Qala ahlul ilm, as-sadaqatu nawa anwa. L'ulama khadu, sadaqatu al-mal, la zakat de l'mal. On sort 2,5% de notre argent. قالوا نين خمس دينوم يا دينو نصف في المئة. قالوا هذه صدقة المال. Ça c'est l'impôt pour purifier ton argent. قالوا الآن الوقت صلاة ما دورها هي صدقة الوقت. Allah عز وجل t'a donné la prière pour purifier ton temps. فقالوا on va prendre le même temps. Ou le même degré, pourcentage de sadaqat al-mal, on va le mettre sur la prière. Qalou, sur 24 heures, chacun d'entre eux il a besoin de 2,5% de son temps pour accomplir les 5 prières. Fawajadu anna, le subh, le dhuhr, le asr, le maghrib, le isha, tu as besoin de 36 minutes pour les accomplir. En moyenne, 2 minutes par raka, par unité de prière. C'est-à-dire qu'une seule prière, elle devrait te prendre au minimum entre 7 et 8 minutes. Et je vous laisse imaginer dans combien de temps on fait nos prières. Si l'un de nous, il se réfère à moins de 5 minutes pour faire une prière régulière, il se pose la question, je pense ma prière, elle n'est pas assez bonne. Il faut qu'on prenne en considération que cette prière, c'est la chose la plus importante dans notre vie qu'on devrait prendre et soin, bihaoulillah. On aura d'autres occasions, inchallah, pour en parler et définir mieux ce pilier important de l'islam, qui est la prière. As-salallah azza wa jalla an yaktubana min al-musallin wa an yadkhulina jannatahum min babi salat ou min babi siyam ou min babi sadaqati wa ghayriha, bihaoulillah. Chers frères et sœurs, li hadihi al-ashr al-awakhir ahkamun azima. Dans les derniers jours du ramadan, on en a deux parenthèses importantes qu'on va les mettre, on va les détailler comme suivant. Awaluha zakat al-fitr. Zakat al-fitr, ou sadaqat al-fitr, ou zakat al-abdan, ou al-ru'us. Hna b'darja anna qulul al-fatra. C'est la prière, c'est la zakat de quand on mange, al-fitr, ça veut dire dès qu'on mange, on doit la sortir. Avant de manger, ça veut dire couper complètement le ramadan, on va la sortir. Au zakat al-abdan, ça veut dire on sort la zakat sur toute personne sur laquelle on est responsable. Quelqu'un, il est marié, il est responsable sur sa femme, sur deux ou trois enfants qu'il a. Lui, sa femme, et un ou deux ou trois. Même l'imam Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, arda, كان يرى أن الزكاة تخرج حتى على الجنين في بطن أمه. Même si le fœtus est dans le ventre de la maman, on peut le prendre en considération et le calculer dans la zakat. Cette zakat, sa'un min tamri, sa'un min sha'iri, sa'un min zabib, sa' arba'at amdad. Et aujourd'hui, le calcul, on en reçoit tous les jours sur nos portables. Vous devrez sortir telle nourriture. Vous devrez sortir tel kilogramme de nourriture. Al-amra yu al-ikhwa. Je ne suis pas là pour légiférer. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devrez faire.
Mais je suis là en train de dire أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ خِلَافٌ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إِلَى حَدِيثِهِ. Ça veut dire que la chose, il y a une divergence entre les savants. Depuis la nuit du temps jusqu'à aujourd'hui, et les savants ne sont pas d'accord sur le mas'ala. رَأْيُكَ صَحِيحٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيِ خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ. Je peux avoir juste parce que je me réfère à des dalils. Et toi, tu te réfères à des dalils. Mais m'imposer un avis, فَهَذَا الَّذِي لَا يُقْبَلُ. On ne peut pas se côtoyer à travers imposer un avis ou un autre. زَكَاتُ الْفِطْرِ هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَهَا قِيمًا. C'est un débat stérile. Malheureusement, ici en France, on le prend d'une brutalité qu'on ne peut même pas imaginer. Quelqu'un m'a posé une question par téléphone. J'ai répondu ce que j'ai comme conviction. En ayant cette ouverture d'esprit, j'étais rappelé quelques minutes après pour me faire incendier. Ulama ul Umma dit, je serai plus calé que Abu Hanifa, je suis plus calé que Omar Abdelaziz, je suis plus calé que l'imam al-Thawri, je suis plus calé d'Iyar al-Iftar, fil Azhar al-Sharif, fil Jazair, fil Maghrib, fil Tunis, wa ghayriha. Je pense aujourd'hui, on est dans un débat qui va que ne mener à gangriner un peu de conflit qui n'a pas place à se faire. Qui a le temps pour sortir la nourriture et jib le mec là? Mais il m'imposait un avis, فهذا الذي لا يجوز. أحد علماء الأمة الأجلة. Il a fait une étude. Zakat al-mal, l'argent de l'impôt sur l'argent normal. Vous savez, si on la sort, si on la ramasse tous dans une caisse commune, des musulmans dans toute la terre, au-delà de 1,4 milliard de musulmans, Zakat al-Mal, elle pourra dépasser les 300 milliards de dollars. Vous savez, imaginez 300 milliards de dollars tous les ans, ce qu'on peut faire avec. La pauvreté qu'on peut extraire complètement. Zakat al-Fitr. Si on ramasse Zakat al-Fitr de tous les musulmans sur la base de 2 dollars, on ne parle pas sur l'Europe, on parle sur la moyenne mondiale, 2 dollars par personne, par musulman, elle dépassera les 4 milliards 360 millions de dollars. L'Umrah. Cette année-là, on n'a pas fait l'Umrah. La Mecque s'est fermée. Al-Umrah dans l'année, ici en France, on a les 4 saisons de l'Umrah. Et d'autres au coin du monde, il y a au-delà de 4 saisons. Al-Umrah, l'année dernière, 1440 hijir, 2019, elle a dégénéré 36 milliards 622 millions de dollars. Il y en a qui partent à l'Umrah 4-5 fois dans leur vie. Il y en a tous les ans, ils partent 2 fois. Sachant qu'autour de lui, il y a plein de pauvres qui en ont besoin, à qui on doit leur donner l'argent. Pense ici à cela. رَأْيُكَ خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابُ وَرَأْيِ صَحِيحٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأُ. Mais arriver à se chamailler d'une façon brutale pour quelque chose que les ulama se sont divergés depuis la nuit du temps dessus, هَذَا لَا يَجُوزُ أُخُوَّتُنَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ. Et j'en suis sûr. Si un savant, il se met avec un savant, vous savez, plus qu'on lit les livres, plus qu'on approfondit nos connaissances dans la religion, on va être miséricordieux. On va voir tout le monde avec un œil très, très grand. Plus qu'on ne lit pas, on suit, on est conditionné, on suit, on devient brutal dans nos avis. Salatul Eid, la deuxième chose, Salatul Eid, Sunnatul Mu'akkada. عند الأئمة الأجلاء المالكية والحنابلة والشافعية. الإمام أبو حنيفة، regardez أبو حنيفة. Il dit c'est d'un côté زكاة الفطر نخر، mais il nous dit aussi صلاة العيد فرض. Tu dois accomplir la prière de l'عيد. من حديث أم عطية وغيرهم من الصحابيات الجليلات. زكاة الفطر صلاة العيد تصلى
عند ارتفاع الشمس قرب رمحين. Aujourd'hui, شروق il y a 6 heures. On fait la prière de l'Eid entre 6h30 et 7h moins 15. Au-delà de 6h30, on peut faire la prière de l'Eid. Et on a le temps jusqu'à avant le zénith. Salat al-Eid, on la fasse. Aujourd'hui, on est dans une rouge. La Seine-et-Marne, l'Île-de-France, on est dans le rouge total. L'état d'urgence sanitaire, il est plus concentré sur l'Île-de-France, comme quelques départements à côté. Et certainement, la vie, beaucoup de gens qui nous ont... On a eu le Conseil d'État, il a légiféré qu'on a le droit de faire, etc., par mesure de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, l'islam, le législateur musulman, il se base sur 5 choses. Il les met entre ses yeux pour légiférer. حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ الدين وحفظ المال. Première chose, il va penser comment préserver l'âme de quelqu'un. Pourquoi le jolifère, je fais les lois pour que l'âme de chacun doit être préservée en sécurité. Je dois légiférer pour que la pensée ou la raison ou l'outil d'apprendre la science elle est préservée. Je dois penser que la religion de cette personne-là, elle doit être préservée. Ici, Ralabadan, par mesure de compréhension, de certitude, parce qu'on ne pense pas, on a des éléments concrets. Ramener Salat al-Eid des milliers de personnes dans un endroit fermé, ce n'est pas évident de canaliser tout ce monde-là. Il y a, aujourd'hui, il y a le risque zéro, ne peut pas partir. Malheureusement, on a des musulmans maïs. Récemment, avant le confinement, j'ai fait le Jumu'ah dans une mosquée, Fuljana, dans la prière. Il y en avait un qui avait le Covid. Ou Jason Lee. Le soir du vendredi, sa femme, elle appelle, elle dit, mon mari, il a attrapé le Covid. Imaginez-vous dans toute la mosquée comme on était. On était tous en stress. Il était au milieu avec tout le monde. Un vieillard qui est fragile, il ne doit pas venir. Un vieillard ne peut pas se mélanger avec la foule. Il aura la récompense. Parce qu'il est fragile. Salatul Eid ou Salatul Bayt. On l'a fait à la maison. Et quand on l'a fait à la maison, ça veut dire dalil, on n'a pas délaissé la prière de l'Eid. Et on l'a fait à la maison, on se lève. Aujourd'hui, beaucoup de YouTube ou de vidéos circulent dans nos réseaux sociaux comment faire la prière de l'Eid à la maison. C'est une prière simple. Je me lève le matin, je me prends ma douche, je me parfume, je demande à mes enfants de faire la même chose, je demande à tout le monde de s'habiller convenablement, et je me lève et je fais Allahu Akbar. Avant déjà la prière de l'Eid, je fais takbir à la maison. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, dans les bâtiments, dans les pavillons, avec une voix douce, sans faire du bruit, à nos voisins. Et après cela, je fais Allahu Akbar, takbiratul ihram, à haute voix. Après cela, je fais 6 fois Allahu Akbar. Et après cela, je lis Fatiha, une sourate du Coran, ce que je connais, à haute voix. Je m'incline, je me prosterne dans la première raka'at comme une prière normale. Je me relève vers la deuxième raka'at et je fais Allahu Akbar 6 fois. Ça veut dire Allahu Akbar du lever une fois plus 5 fois derrière. Et après cela, je lis la Fatiha, une sourate à haute voix. Je m'incline, je me prosterne et je fais tahiyat et je fais assalam. Et quand je finis ma prière, je m'embrasse mes enfants, mon épouse. Et j'essaye d'être le plus, avec un cœur très doux, avec ma famille, avec mon entourage. Et je fais allusion aux frères de faire très attention à les visites familiaux, aux familiales, très important. Il faut ordonner, il faut organiser tout cela. On ne peut pas se mélanger en quantité dans les maisons. فَهَذَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي رُبَّمَا تُعَجِّلُ بِهَذَا الْمَرَضِ الْخَبِيثِ وَنُهَنِّئُ بَعْضَنَا الْبَعْضَ أَنْ نَقُولَ لِبَعْضِنَا الْبَعْضَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ. جاني واحد خطره يقول لي حرام عليك تقول مبروك العيد وعيدك مبارك. يا الله من قال لك ذلك؟
دخول صاحبك صح فطورك ممنوع، دخول صاحبك عيدك مبروك ممنوع، لازم تقول له غفر الله لنا ولك، ولازم تقول له عيدك مبارك. أيها الإخوة، من خرج من قلبه الكلام، سي لو كور يل بارل، اون با بوزوان دو لا بوش. خوك يقول لك صح فطورك، فهو يتمنى لك الصحة والخير. On est rentré, on est resté sur la coquille, on a oublié malheureusement le plus profond. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك. نسأل الله عز وجل قبول العمل. Parce qu'à partir là, ce soir, normalement, on va nous parler sur l'Eid Conf, samedi, dimanche, scientifiquement, on parle sur l'Eid. Fort possible qu'il sera le dimanche. On aura plus de confirmations avec les responsables de l'association qui vont nous confirmer soit samedi ou soit dimanche l'Eid, bihaoulillah. Mais en ce moment, il est jusqu'à l'Eid, demande à Allah Azza wa Jal une chose. Oh Allah, accepte mon travail bénévole. Accepte ma lecture du Coran. Accepte mes prières. Accepte mes tarawih à la maison. Accepte mon aide à la communauté. Oh Allah, ce ramadan, il passe ou il est en train de passer. Reste, laisse-moi en vie jusqu'à que je revive un autre ramadan dans d'autres années qui vont arriver, bihaoulillah. On en a des frères pleins qu'on connaît qui sont partis. As-salallahu azza wa jalla an yirhamahum wa an yataghammadhum bi rahmatih. Allahumma ansaluka qabool a'malina. Allahumma aj'alna fi zumratil maqbulin. Allahumma aj'alna fi zumratil maqbulin. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ila yawmi yub'athun. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا